Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un épisode de American Cars and Trucks. Et là, je vous ai dégoté une voiture classique, une Chevrolet Monte Carlo de 1972. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, la Monte Carlo, c'est une voiture qui a été créée par Chevrolet en 1970 sur la base de la Chevelle coupée. Si vous vous souvenez de ma Chevelle, elle a à peu près la même ligne. À une différence près, c'est que la Monte Carlo, c'est la version luxueuse de la Chevelle. Donc je vais vous la montrer en détail, la voiture, et après on ira faire un tour. Vous entendrez le son du V8, c'est un régal. Si cette vidéo te plaît, pense à laisser un gros pouce bleu de soutien, à t'abonner et à partager avec tes amis. Je suis sûr que t'as un pote qui va aimer cette voiture. Hey, t'as vu, il y a mon GMC là-bas. Ah ben c'est normal, c'est moi qui l'ai garé là. Alors je voulais vous parler d'un petit détail. Cette gueule quand même, peut-être qu'elle va vous rappeler quelque chose. Non ? Vous avez déjà vu à la télé, dans des films, il y a quand même deux grands films qui sont super connus où on a déjà vu la voiture. Fast and Furious, ça vous dit un truc ? Bah elle est pas dans cet état là la voiture. C'est dans le Fast and Furious 3, Tokyo Drift, au tout début, on la voit en train de faire une course contre une Dodge Viper. Mais elle est aussi dans un autre film, que j'adore, c'est Ace Ventura. Tu te rappelles pas ? La bleue, avec le pare-brise explosé, parce que Jim Carrey, enfin Ace, il a pris des coups de batte sur son pare-brise, et donc il roule comme ça. Alors celle-là, elle a un petit détail que j'aime beaucoup par rapport à la gueule. C'est des petites paupières chromées ici, là. J'ai toujours aimé les paupières chromées sur les phares des américaines. C'est un peu comme si elle faisait un clin d'œil ou je sais pas. Ça lui donne un regard différent. Et c'est pas mal du tout. Donc cette Monte Carlo, elle a été importée il y a à peu près un an des États-Unis. Elle vient de l'Ohio. Et c'est une voiture qui est quasiment toute d'origine. À part la couleur et les enjolivards. Et c'est tout. Et c'est tout. Et si vous regardez bien, bon là il y a les entourages chromés qui sont là. Par contre, il ne les a pas encore à l'arrière, tout simplement parce que dans le port, quand la voiture est arrivée, ben, le transitaire, il a un peu touché, il les a abîmés. Voilà. Ça sera mis bientôt, ou alors ceux-là seront enlevés pour donner un petit look plus sportif. Mais je sais pas, il ne sait pas encore. En tout cas, c'est très beau ça. Je ne sais pas si ce sont exactement les mêmes que la Chevelle. Parce que les ailes sont un peu différentes par rapport à la Chevelle. Vous avez ce rebord là qui ressort. La lampe qui est ici, le side marker aussi, n'est pas le même que sur la Chevelle. Il y a plein de petits détails comme ça qui diffèrent de la Chevrolet Chevelle. Le capot aussi est différent de celui de la Chevelle. Il est bien plus long ici. Il a un peu cette forme aussi sur les Chevelles 70-72. Mais il arrive, on va dire, à peu près par là. Là, c'est vraiment le plus long qu'ils aient fait sur ce genre de véhicule. Si elle est plus longue que le coupé Chevelle, c'est parce qu'elle est basée sur la version 4 portes de cette dernière. Sa longueur est de 5,25 m contre 5 m pour la Chevelle, mais partage aussi beaucoup d'éléments avec sa cousine Pontiac Grand Prix. Au final, cette voiture a été un succès pour General Motors, car elle s'est vendue à plus de 180 000 exemplaires en 1972. Et là, qu'est-ce qu'on a ici ? Vous avez remarqué qu'on n'a pas de logo Chevrolet sur cette voiture. C'est un peu comme sur ma Camaro. Sur ma Camaro, vous ne trouvez pas de logo Chevrolet. En fait, vous avez juste un endroit où il y a marqué Camaro by Chevrolet. La Chevelle, c'était pareil. C'était la Chevelle by Chevrolet. C'est qu'en fait, ils voulaient que ce soit le modèle en lui-même qui soit mis en avant et pas la marque. Pour celle-là, ils ont carrément conçu un blason Monte Carlo. Alors pourquoi Monte Carlo ? C'était pour donner un petit côté luxe. Et aux Américains, ça leur rappelait la France. Le sud de la France, là, Monte Carlo, ils pensent que c'est en France.
C'est pas tout à fait en France, mais c'est déjà bien qu'ils sachent que la France est en Europe. Et donc Monte Carlo, ça va rappeler la classe à la française. À l'époque, dans les années 70, même un peu avant, les voitures françaises, c'était synonyme de classe. Les voitures japonaises, synonyme d'économique. Et les américaines, bah, tout le reste pour eux. Donc en fait, ils avaient une voiture qui avait une allure un peu sportive, qui était basée sur un coupé, mais en même temps qui avait une petite touche luxueuse. Blason qu'on retrouve aussi ici, dans les veilleuses clignotants qui sont juste là. Et là, on a un joli logo Monte Carlo. Alors maintenant, je vais vous montrer ma partie préférée de la voiture, c'est l'arrière. Là, il n'y a quasiment rien à voir avec la Chevelle. Alors souvenez-vous, en 1972, sur la Chevelle, c'était 4 feux ronds derrière, ici, et le reste tout lissé. Sur celle-là, ils ont fait un truc totalement différent, vous avez les feux qui sont verticaux. C'est probablement pour rappeler un peu les Cadillac, qui étaient le luxe du groupe General Motors. Et c'est vrai que ça y donne un look de dingue. Et après, on retrouve les petits feux de recul dans le pare-choc, totalement intégrés. Et un truc qui est génial, comme sur la Chevelle, c'est pour faire le plein, c'est derrière la plaque d'immatriculation. Tu penches la plaque et tu remplis directement ici. Encore un petit détail par rapport au logo au blason Monte Carlo. Alors, vous devez savoir qu'à l'époque, sur les véhicules américains, chaque année, tu avais des différences. En fait, si tu achetais la nouvelle voiture de la nouvelle année, et que ton voisin avait celle d'avant, ben tu pouvais lui dire ben « Regarde, la mienne, elle est mieux, t'as ça, t'as ça, t'as ça. » Un détail à savoir pour les Monte Carlo, pour différencier les années, donc en première génération, il y a trois années, 70, 71, 72. Celle-là, c'est une 72. Vous regardez, là, il y a la tête du légionnaire romain, ici, et c'est lisse, il n'y a rien de marqué. Par contre, si c'était une 1970 ou 71, il y aurait marqué ici 1970 ou 1971 en chiffres romains. Et c'est par là que tu ouvres le coffre. Et c'est encore un coffre d'américaine, de vraie américaine. Hop, merci. On peut y mettre plusieurs Maccabées. Alors à savoir, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais il y en a qui suivent pas tout. Alors je vous fais un petit rappel. Sur les General Motors de ces années, celle qui est arrondie, la clé, c'est pour le coffre. Celle qui est carrée, c'est pour les portes et le contact. Détail ultra rare sur une voiture de ces années-là, il y a la roue de secours qui est dans le coffre, avec le système qui tient la roue de secours. Et t'as le cric aussi ? Oui. Et il y a le cric. Alors on voit que c'est pas d'origine dedans, ils ont mis... ils ont recouvert, il n'y a plus le tissu d'origine. Ils ont tout rénové. Et ton pneu, il a l'air tout neuf, il brille plus que d'origine. Alors, j'ai une petite observation automobile. Vous voyez ce coffre-là ? Eh bien, il semblerait que ce soit le même que sur les Chevelles, en revanche. Parce qu'il y a un petit détail, les petits carrés là, en fait, ça correspond à l'emplacement des vis du logo Chevelle by Chevrolet que tu as sur la Chevelle. Or, là, il n'y a rien du tout. C'est tout lisse. Alors maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de la voiture, parce que là, vous verrez que c'est plus luxueux que la Chevelle. En plus, celle-là, elle a un intérieur marron, quasiment entièrement marron, qui est super sympa. Ça change du noir, du blanc, du bleu parfois, du vert même, j'ai déjà vu du vert. Bizarre le vert. Mais marron, ça va, c'est assez classe. Bon, il y a des petits détails à revoir encore, elle est pas neuve. Hein. N'oubliez pas que c'est une voiture qui a 50 ans, déjà. Alors en fait, sur la Monte Carlo, c'est quasiment le même intérieur que la Chevrolet Chevelle SS. Mettons, si vous vous rappelez la Chevelle que j'avais, qui était une Malibu, j'avais une banquette. Alors que la SS, en fait, tu l'avais avec ce qu'ils appellent les bucket seats, c'est deux sièges séparés, avec la console centrale. Et au niveau du tableau de bord, c'est le même que la SS, à différence que c'est recouvert de ronces de noyer, imitation ronces de noyer. C'est les Américains quand même, faut pas... La ronce de noyer, ça te rajoute la petite touche luxe. Et cette console centrale, elle est magnifique. Avec le levier de vitesse en mode aviation, c'est génial. Avec le petit couvre-volant, super confortable. T'as l'impression que c'est du cuir, mais du cuir mou. Mais par contre, il y a quand même une différence avec la Chevelle SS au niveau du tableau de bord. C'est qu'il n'y a pas de compte-tour sur celle-là. C'est une horloge à la place. Et qu'est-ce que je viens de voir? C'est que celle-là aussi, elle est équipée du Bolt Refresher System, le rafraîchisseur de boulinette, qui est ici. Tac!
Et ouais. Et regardez, il y a un autoradio, un vieil autoradio qui a l'air d'origine. Il est estampillé Delco. Attention, Delco, c'était Delco Rémy, c'était le fabricant de tout ce qui était électronique, alternateur, toutes les pièces électroniques des voitures. Et ça appartenait à l'époque à General Motors. Alors un détail que je trouve fabuleux sur les voitures de ces années-là, particulièrement chez General Motors, en fait, quand tu baisses la vitre, c'est vide ici, là. C'est génial. C'est comme si tu n'avais pas de vitre. J'ai la même chose sur ma Camaro, j'avais la même sur la Chevelle, ça y est, sur plein de modèles de l'époque, et c'est top. Maintenant, je vais vous montrer un truc qui est encore plus cool, c'est la cinématique de la vitre arrière. On va aller de l'autre côté, elle est fermée. Et quand tu veux aller derrière, mais t'as un petit bouton derrière le siège passager, t'appuies dessus, hop, et ça se penche. Ah ! Et observe ça, la forme, ça descend pas tout droit comme ça, comme sur les voitures récentes, dans l'autre sens. Tac, ça change encore, hop, voilà. Et c'est une chiotte à régler ça. Alors vous noterez que pour les ceintures de sécurité, en fait, il y a la ceinture ventrale qui est ici, qui vient comme ça. Mais il y a aussi une ceinture dorsale qui est accrochée en haut. Tac, et que tu sors de là. Que tu peux mettre si tu as envie de le mettre. Et encore un petit détail luxueux, c'est le ciel de toi. Le ciel de moi ? Il est super beau, tout marron, tout perforé partout. Avec la lumière qui est ici. D'ailleurs que ça a l'air neuf, ça, c'est très beau. Avec une petite étoile au milieu. C'est des petits détails comme ça que j'adore. Bon allez, on va voir ce qui se passe sous le capot. L'ouverture est ici, comme sur les chevelles. Tiens là. Tiens un coup. 18 000 kilos. Voilà. C'est pas beau ça? On a donc ici un small block Chevrolet 350 cubic inch qui fait 5,7 litres de cylindrée environ. Donc elle était dispo avec 3 V8 cette voiture. Tu avais le 350, celui-là, le 400 et le 454 pour le plus gros. Et là quand même, on voit bien que la voiture est plus longue que la Chevelle. Regarde la taille de ce qu'on appelle le Fanschrude. Normalement il fait à peu près cette taille. Et là, c'est énorme. Tu peux t'asseoir dedans pour bosser dessus quoi. Alors ici vous voyez, donc ça c'est tout ce qui est freinage. Elle est équipée d'origine de frein à disque à l'avant avec l'assistance. Ça c'est pas mal déjà que ça y soit d'origine. Et elle a aussi la clim. Voilà, elle n'est pas vraiment en fonction, mais elle l'a. Et même que ça a été converti au R134A, le gaz qu'on a sur les voitures modernes. Enfin modernes jusqu'à 2014. Et un petit détail qui n'est pas des moindres, le moteur est matching numbers. Ça veut dire que le moteur est de 1972 et correspond à une Monte Carlo. Ce qui arrive souvent en fait, c'est que les moteurs ont été remplacés par des 350, mais plus récents, des moteurs qu'ils trouvaient, parce que 350, on pouvait le trouver jusqu'en 1995, quasiment identique. Le problème, c'est que ce qui est arrivé, comme par exemple sur ma Chevelle, il était un peu plus récent que celui d'origine. Donc c'était après la crise pétrolière. Donc il était un peu moins puissant. La 72, c'est les années charnières, en fait, où ils ont commencé à modifier les systèmes anti-pollution, à baisser les puissances. Donc c'est pour ça que vous voyez énormément de différences sur les données constructeurs des véhicules entre, mettons, 71 et 73. Le moteur 350 CI était dispo avec un carburateur double corps ou alors un 4 corps comme celui-ci, un Quadrajet Rochester, pour une puissance de 175 chevaux nets. Ne faites pas gaffe à l'autocollant 300 HP Turbojet, c'est l'autocollant qui correspond à 400 CI de 1971. Alors, faut que je vous raconte une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, sur un rassemblement, j'avais prêté un peu l'oreille à des personnes qui discutaient, et il y avait une personne qui parlait du moteur des Mustang, en fait, de l'ordre d'allumage des Mustang, qui disait qu'en fait, Ford avait voulu faire en sorte que le moteur soit le plus souple possible, qu'on sente pas de vibration. Et c'est pour ça que c'est pas le même ordre d'allumage que sur les Chevrolet. Sur les Chevrolet, c'est celui-là. 1-8-4-3-6-5-7-2. Essaie de le dire 10 fois d'affilée. 1-8-4-3-6-5-7-2. Et bien moi, je préfère largement
quand le moteur il vibre, tu le sens, il bouge un petit peu, t'as l'impression qu'il est vivant le moteur, c'est génial. Je vais vous faire écouter ça et vous allez regarder le moteur. Est-ce que vous entendez ça? Le buzzer, c'est parce que j'ai la porte ouverte. Voilà. Ah, c'est quand même de l'arrière qui est le plus appréciable, ce son du V8. Voilà, le régime est un petit peu, voilà. Peut-être qu'il y a le starter ou un petit réglage à faire. Et maintenant, on va aller essayer ça sur la route et vous allez entendre ça. Quand tu cruises avec, c'est génial. Là, j'avais prévu une superbe transition juste après ma magnifique vanne pour vous présenter Nico, le proprio de la voiture. Seulement, la vidéo a planté. Et donc là, je suis obligé d'improviser. Ah, je vais faire. Allez, c'est reparti. C'est là, moi, que j'apprécie le plus le V8. Enfin, il y a deux moments où j'apprécie vraiment le V8. C'est quand on roule tout doucement, comme ça. Bon, là, c'est un peu gâché par le bruit des graviers, mais... Et après, quand on accélère, on ouvre tous les corps. Bah, tu vois, ça me rappelle un peu des souvenirs. Ça fait 2 ans que j'ai pas conduit une Chevelle. Et là, c'est pas tout à fait une Chevelle, mais bon, ça a quand même un peu les mêmes sensations. Donc, tu vois, le gabarit, qui est quand même, c'est une voiture qui est assez haute, la forme du tableau de bord. C'est tellement agréable le bruit du V8. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que il y a la clim, il y a plein de trucs super confortables et tout, mais t'as les vitres manuelles. Après, ce qui arrive souvent aux États-Unis, c'est que c'est des options et t'as vraiment les voitures à la carte sur le catalogue. Et du coup, bah, tu pouvais avoir une voiture super optionnée, mais si le proprio, le gars qui achetait la voiture, il voulait pas les vitres électriques, bah, il demandait les manuels. Et là, tu vois, je retrouve un peu la conduite, la direction super assistée que je peux conduire avec le petit doigt. Habitude que j'avais perdue avec la Camaro, sachant qu'elle n'a pas la direction assistée. Moi, c'est plus raide, mais du coup, en conduisant, c'est limite mieux, tu vois. Là, c'est génial à conduire, mais c'est tellement souple. Et à l'arrière. Ah oui, par contre, pour les créneaux, là, c'est autre chose. Alors, un petit détail. Dans les films, on les voit toujours bouger le volant, comme ça, dans les vieux films avec les voitures américaines. Et quand on a l'impression que c'est en ligne droite, ben voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, je sens quand même un peu la voiture bouger, on peut pas le faire trop. Et parle-moi un peu de cette voiture, en fait, la Monte Carlo, c'est une bagnole que tu rêves depuis longtemps ou pas? Moi, en fait, je voulais pas une voiture... les rassemblements que tout le monde a, donc je voulais pas de Camaro, je voulais pas de Mustang, et je voulais quand même quelque chose de facile à entretenir avec des caisses disponibles. J'avais flashé sur cette voiture dans Fast and Furious, ouais. Et j'en avais jamais vu en vrai, en fait. Je suis parti là-dessus, et quand elle est arrivée et que je l'ai vue pour la première fois, en fait, c'est une perte, je me suis dit, un monstre. Je me suis rendu compte du gabarit, c'est gros, en fait. Ouais, je me suis dit, c'est vraiment très 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 gros. Et après, bon, mais moi, tu vois, ça a été différent quand j'ai acheté la Chevelle, parce que j'ai acheté la Chevelle aux États-Unis. Donc j'ai roulé avec là-bas, donc là-bas c'est pas trop gros. Par contre, au moment où je suis arrivé en France, que j'ai dû l'amener, la rentrer dans le garage ici, là c'est... Ah ouais, quand même, c'est gros. Alors faut toujours penser à la taille, hein. Quand on fait des manœuvres, quand on passe sur des petites routes, malgré que ça se conduise comme une Twingo, faut penser que ça fait 2 ou 3 Twingo en taille. Ah, pas bien là. Se balader sur les petites routes de
le plus grand plaisir. Alors c'est vraiment une voiture qui est faite pour cruiser. Écoute le son du V8. Et regarde, je conduis, j'ai un pied sous le siège. Je conduis vraiment peinard. Et puis ben, comme c'est une boîte auto, ben, t'as besoin que du pied droit. En fait, le pied gauche, tu t'en sers pour faire plein phare. Quand t'as les phares allumés, t'as le bouton qui est ici. Moi, j'ai l'impression d'être assis sur mon canapé. En plus, t'as le pare-brise. Il est pas très haut en hauteur. Il est quand même assez fin. Mais par contre, il est tellement large, t'as l'impression d'être au cinéma. Donc quand tu conduis ça, ben, c'est comme si tu regardais un vieux film au cinéma. Et ça, c'est juste génial. Et voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. T'as vu ce saut que j'ai fait, il était magique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à essayer cette voiture. Merci à toi Nico de m'avoir fait faire un tour. Je crois que c'est ma seconde voiture préférée que j'ai essayée pour la chaîne YouTube. Après la Chevrolet Corvette, c'est de... Si tu vois pas de quelle voiture je parle, ben, je te mets le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo. Ce qui est bien, c'est que c'est une voiture qui est quand même assez atypique. C'est pas une voiture que tu vas croiser sur tous les rassemblements. Des Mustangs, des Camaro, des Corvettes, t'envoies l'appel. Tu commences à voir quelques chevelles, mais des Monte Carlo, il y en a beaucoup moins. C'est une voiture qui a quand même beaucoup de charme. C'est une voiture qui était un peu boudée pendant quelques temps par rapport à la Chevelle. Elle était dans l'ombre de la Chevelle, mais maintenant elle commence à ressortir, ça commence à prendre de la cote. Donc à mon avis, d'ici 10 ans, c'est une voiture qui vaudra cher. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à laisser un pouce, à partager et à vous abonner. Ça m'aidera énormément pour faire connaître la chaîne. Parce que l'algorithme YouTube, il veut pas trop faire connaître ma chaîne. Alors je compte sur vous les amis pour partager en masse la vidéo. Et allez faire un tour sur Instagram aussi, je poste souvent des photos très sympas. A bientôt. Allez tiens, pour te remercier, toi qui as suivi jusqu'ici, je vais te faire un petit bonus. Donc là on est un peu sur le setup de la vidéo. En pleine campagne. Regarde, c'est joli. Ce matin, il pleuvait, donc c'était pas sûr qu'on fasse ça cet après-midi. Puis finalement, le soleil est ressorti. Et là, maintenant, le vent se lève. Et par derrière, pour les scènes extérieures, je suivais avec mon GMC. Avec la GoPro qui est posée là. Regarde. Tac. Il y a de la poussière, d'ailleurs. Hein. Voilà. Et on suit... histoire de faire des petites scènes cinématiques sympas. C'est compliqué quand t'as pas toute une équipe de tournage. Là, j'ai embauché le proprio de la voiture. Mais bon, je pense qu'on s'en est bien sorti. Allez, cette fois-ci, salut. 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 Et là, ben, je vous ai dégoté une petite perle. Une voiture. Putain. Ouais. Ouais. Oh yo.
camelote. Parce que l'art... Parce que l'art... Ah 1971 ou 1972 en chiffres romains. Non. 70 ou 71. En 72, ouais, j'ai rien vu. Bah, rapide.